parle d'Aladab qui a fait sa première saison l'an dernier ici même. Pourquoi parle-nous un peu de ce cheval, qu'est-ce qui t'a plu chez lui quand tu l'as recruté ici au Haras de Vin? Parce qu'il m'a plu, c'est son pédigré, un fils de Kaamelott avec une mère Mutatyr. Donc je pense que pour l'obstacle, c'est enfin, c'est des références. Mutatyr, on le présente plus, Docteur Dino et bien d'autres. Kaamelott, c'est sur la montante en Angleterre. On ne le connaît pas trop bien en France. Mais en Grande-Bretagne, il fait un carton, on peut dire. Donc le cheval a une origine d'obstacle aussi, dans la deuxième et troisième mer. Donc il était assez joli, il avait du chic. Et j'ai trouvé que c'était un profil intéressant. Tu parlais d'obstacles, pourtant c'est un cheval qui a couru en plat. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'il a fait en course, ce cheval? C'est un cheval qui a gagné à 2 ans, et après il a été à 3 ans second du Noailles et troisième du prix Greffule. Des épreuves un peu références pour l'obstacle. Il y a eu des très bons étalons qui ont été placés et qui ont gagné ces épreuves-là. Et donc il a certes pas eu une carrière très longue, mais je pense qu'il a les caractéristiques pour bien reproduire en obstacle. Et pour finir, physiquement, présente-le-nous. C'est aussi un cheval qui peut amener un peu de sang à des juments un peu grosses pour l'obstacle, non? Oui, exactement. Je pense qu'avec des juments à QPS et un peu lourdes, c'est un cheval qui fait 1,63 m, beaucoup de sang, beaucoup d'énergie. Ça peut bien croiser avec des juments un peu carrossières et un petit peu lourdes. The astrological soul train getting down.